Aujourd'hui, je vous présente le chantier. Et welcome back, mes chers passionnés de voitures américaines. Ça fait plusieurs vendredis, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Et comme vous pouvez le voir ici, bah c'est la bataille, c'est le chantier. Et c'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas pu vous faire plus de contenu, poster plus de vidéos. Mais vous aussi, vous m'avez manqué. Alors j'en profite pour cette première vidéo de 2022 de vous souhaiter un Happy New Year à vous, vos familles, vos proches. Je vous souhaite par-dessus tout de la santé parce que c'est la chose la plus importante. Profitez avec vos familles, faites-vous plaisir. Et je vous suis infiniment reconnaissant pour la confiance que vous nous donnez parce qu'on importe vos plus belles voitures et on fait partie de vos rêves. Merci à vous. J'espère que 2022 sera superbe. En tout cas, ici, je peux vous dire plein de surprises, plein de travaux. Vous pouvez le voir ici. Pour 2022, on vous prépare quelques trucs vraiment sympathiques. Ça va nécessiter beaucoup de boulot, mais comme d'habitude, on n'a rien sans rien. Je me rends compte aussi qu'on vous a presque jamais présenté vraiment l'endroit où on bosse ici. Et moi qui pensais que pendant les fêtes de fin d'année, j'allais pouvoir me reposer, c'était tout l'opposé, la guerre. Hey, viens ici, je vous présente mon bureau temporaire. Tadam ! Le bureau temporaire. Allez, suivez-moi, je vous montre le reste. Nouveau coin cuisine, agrandi. Mr. José, dans les travaux. Nouvelle suite, Easy Import Auto, agrandi. Tadam ! Le fameux yard, c'est ici qu'on pose les voitures en attendant les chargements. On a reçu une splendide AC Cobra là-bas derrière. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Peut-être une vidéo, sait-on jamais. 2021 était énorme. C'était la folie, pénurie mondiale de voitures. Et évidemment, l'inventaire aux États-Unis était énorme. On s'est retrouvé à exporter une tonne de voitures. I'm very grateful. C'était une année absolument splendide. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, que des voitures de dingue. Raptor, Jeep Gladiator, un 392 Jeep Wrangler. On a ici, là-bas derrière, un F-150 Platinum, une Corvette Z06. Magnifique Challenger ici, qu'on adore. Une Corvette C5, une autre Challenger SRT8. Notre fameuse Escalade qui doit partir pour la Martinique. Eh bah ouais, la Martinique était complètement shut down pendant un mois. On ne pouvait rien expédier, là la folie. Quelques pick-up, quelques voitures, comme d'habitude. Et cette année encore, on va continuer avec les vidéos. Combien ça coûte? Vous avez adoré et on a eu quelques vidéos qui ont fait absolument un carton. On va continuer à vous dire combien ça coûte parce que le but, c'est vraiment de vous donner l'information super claire pour que vous puissiez vraiment budgéter l'opération. Voiture, transport, taxes, clé en main. C'est tout, c'est simple, c'est easy et c'est Easy Import Auto. Ouais, un petit peu de publicité marketing, pourquoi pas. Allez, venez avec moi, je vous présente encore un petit peu quelques autres espaces ici. Toujours de magnifiques Corvettes comme d'habitude. Un beau Humvee, un deuxième beau Humvee, une belle Mustang, un Apache, un Ford Pickup, une belle Mustang. Et regardez ça, vous savez que j'adore les Mopar. Vous avez vu dans la vidéo, cliquez ici, ou plutôt là, que j'ai un Mopar moi aussi, une Cuda de 74. Et quand j'ai reçu cette Plymouth Duster, je suis devenu tout fou. Elle est trop belle, je vais vous la démarrer. Check this. Ah, ça c'est une Mustang derrière. En tout cas celle-ci. Regardez-moi ça. C'est un Sniper EFI. Et concrètement, vous avez tout sur votre ordinateur de bord, sur ce petit cadran. Elle sonne incroyable cette Duster. Wow. Quel monstre. De belles voitures chez Easy Import Auto. Mais c'est pas fini. J'ai la surprise de 2022 que je ne vais pas vous montrer complètement puisque c'est tellement loin d'être terminé. Check this. Tadam. Et ici, ça va être de la folie, mais stop. Vous l'aurez compris, en 2022, plein de contenu du daily au quotidien ici. Toujours plus de voitures, toujours plus de fun. Mais tiens, en 2021, notre toute première vidéo, c'était $1 million en voiture de collection.
Tiens, regardez un petit extrait. On a même le privilège d'avoir expédié la voiture de Elvis Presley lui-même. Il y en a évidemment une au monde, elle a été signée sur le title par lui-même. C'est de la folie, on a vraiment le privilège de voir passer des voitures absolument incroyables. Également, quand on parle de muscle car américain, bah évidemment, il s'agit de parler de la Mustang GT500, Mustang GT350, Dodge Challenger et la Camaro ZL1 également. Regardez ça. Et cette année, la Corvette C4, une boucherie. Nous en avons exporté une tonne. C'est vraiment une super voiture pour tous les passionnés de voitures, de collection et pour tous les passionnés de Corvette. La C4, c'est la voiture achetée. Elle est pas chère, elle est belle, elle est performante. Vraiment, je vous la recommande. On s'est baladé avec à Miami. On s'est baladé avec une belle LT1 jaune à la Guitar Hotel. Franchement, j'adore cette voiture. Qui dit C4, qui dit également Corvette C3 évidemment. Check this. Mais la Ford Mustang, franchement, c'est le killer. Ça n'arrête pas, ça n'a jamais arrêté depuis 2004. La Ford Mustang, c'est une voiture que tout le monde adore. Franchement, show off et regardez ça. Évidemment, les Mustang GT modernes, elles ont aussi fait un carton. Regardez ça. Mais ce que j'adore par-dessus tout avec les voitures américaines, c'est qu'en plus du look impressionnant de ces voitures, de leur attitude, des performances, bah guess what, vous pouvez également looker comme une rockstar avec une Cadillac Escalade. Regardez ça. Vraiment une voiture classe. Et si vous êtes plutôt vintage, je vous propose un autre style de voiture américaine, toujours une Cadillac, mais cette fois-ci, un autre gabarit. Check this out. Et qui dit voiture américaine dit évidemment aussi pick-up truck. Et si vous n'avez pas un pick-up à la maison, franchement, il y a quelque chose de pas normal chez vous. Et chez Isien Poroto, on adore aussi notre clientèle de bikers et on adore les Harley Davidson, bien sûr. Check this. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, thumbs up, souscrivez pour être notifié des dernières vidéos. Et j'espère vous dire encore une fois chaque vendredi pour 2022. Parce que tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, on va tous stay cool. See you later.
Ouais.